Et ce chef religieux, Simon, invita Jésus à manger avec lui. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Allons, les enfants, laissez-nous. Vous m'entendez? Allons. Ah, ces enfants, ils ne sont jamais tranquilles. Que vient-elle faire là? Je ne sais pas. Cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche. Il saurait qu'elle est une femme de mauvaise vie. Je sais qui est cette femme, Simon. Alors écoute ceci. C'est l'histoire d'un prêteur à qui deux hommes devaient de l'argent. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Aucun des deux ne pouvant le payer, il leur fit grâce de leur dette. Lequel des deux l'aima le plus ? Celui, je pense, auquel il avait remis la plus grosse dette. Tu as raison. Vois-tu cette femme? En arrivant, tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle m'a baigné les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé pour m'accueillir. Mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Je vous le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, c'est pourquoi elle montre tant d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, manifeste peu d'amour. Tes péchés te sont pardonnés. Blasphème! Ta foi t'a sauvé, va en paix.